Chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous avez la forme pendant ces périodes de confinement. Nous en sommes au jour 3, jour 4, je ne sais plus, j'ai déjà perdu le compte. Mayday, mayday, je ne sais plus où je suis. Je ne vois plus rien au travers de ma fenêtre, seulement les étendues de fumée qui parcourent la montagne. Bref, vous l'avez compris, le confinement chez moi, ça agit légèrement sur mon cerveau. Pour éviter que ce temps de confinement soit trop long et que je ne sombre dans une folie parfaite, j'ai décidé, bien évidemment, de vous faire des lives, vous en doutez, nous avions commencé il y a peu, et nous allons continuer. Seulement, petit problème qui s'est posé parmi les innombrables problèmes que j'ai eu pendant ces lives, c'est tout simplement que je ne peux plus live sur YouTube. Voilà, c'est tout petit problème comme ça. Donc pour résoudre ce problème, j'ai décidé de passer sur Twitch. Toutefois, sachez que les lives vont continuer à exister un petit peu sur YouTube grâce à la technique qu'il emploie et que je vais lui piquer, et je le remercie d'avoir évoqué cette idée, c'est très utile. Je vais utiliser Rostream. Donc Rostream vous permettra de voir le live sur YouTube et sur Twitch. Toutefois, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous êtes sur YouTube, de cliquer sur le lien qui sera dans la description du live YouTube pour vous rendre sur Twitch. Ce lien sera aussi disponible dans la description de cette vidéo. Donc cliquez sur tous les liens qui s'afficheront. Vous cliquez surtout comme ça vous êtes sûr, vous arrivez sur Twitch, vous cliquez sur le bouton follow, comme ça vous êtes notifié dès que je pars en live, voilà, comme ça c'est pratique. Je vous invite aussi à suivre le Discord, qui vous enverra lui aussi une notification de quand je serai en live, et aussi de suivre les réseaux sociaux qui eux aussi vous annonceront quand je serai en live. Bref, comme ça, vous biperez de partout dès que je partirai en live, et ça sera parfait, vous ne raterez rien. De toute façon, les rediffs seront disponibles sur la chaîne Twitch, et il y aura des best-of sur la chaîne YouTube, comme ça vous ne manquez rien du tout. Alors ces lives, ils seront réguliers, il y en aura pratiquement un par jour, que ce soit le soir ou l'après-midi, sur des créneaux de 2 heures à peu près, 2 heures, 3 heures, bref, je verrai comment je vais m'organiser. Donc voilà, ça sera soit le soir de 22h à minuit, soit en après-midi, alors là je peux pas du tout vous dire les horaires, ça sera un petit peu plus aléatoire. On y fera du Lego ou un peu de gaming aussi, peut-être du Minecraft, peut-être des jeux Lego Star Wars, peut-être du Lego Legacy, je ne sais pas en trop comment je vais m'organiser pour l'instant, mais bref, il y aura pas mal de choses. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de follow tout ce que je vais vous donner dans les chaînes dans la description de cette vidéo. Vous aurez ainsi la chaîne Twitch, Instagram, Twitter et Facebook, comme ça vous serez au courant de tout ce qu'il faut savoir pour les 30 prochains jours, grosso modo, puisque c'est à peu près le temps que je pense que ça va durer. Et puis, sur la chaîne YouTube, on continuera avec des vidéos, il va y avoir du Star Wars qui arrive, puisqu'on a construit du Star Wars en live. Comme vous pouvez le voir aussi, le décor s'est un petit peu refait, vous verrez, il y aura des petites ambiances sur les lives, bref, ça va être sympa. Les lives, ça commence ce soir à partir de 22h, et jusqu'à la fin du confinement, pour que l'on passe le meilleur temps possible ensemble. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt, à ce soir.